Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très simple pour vous montrer comment est-ce que on installe un système Windows 11 sur n'importe quelle machine. Allez, n'importe quelle machine, comment est-ce que vous pouvez installer Windows 11. Voilà. Donc, pour ce faire ici, j'ai un système Windows 10 à la base. Voilà que je dois faire migrer sous Windows 11. Donc, je vous montre un peu la procédure à faire. D'abord, je vais lancer le setup de Windows 11. Voilà, ici, pour vous montrer que normalement, si je vais installer Windows 11 de manière classique, ça ne passera pas. Voilà, donc je vais vous montrer déjà que Windows 11 ne passera pas si je veux installer sur cette machine. Voilà, je vais vous montrer la version. Voilà, il est en train de se préparer, donc je vais vous montrer déjà les caractéristiques de l'ordinateur. Voilà. Voilà, je vous montre un peu les caractéristiques avant de commencer la vidéo. Voilà, ici. Voilà. Ici, nous avons un Core i3. Voilà, processeur 3.4. 1 Go de RAM. Comme c'est un test, voilà, donc je prends 1 Go de RAM pour pouvoir effectuer le test. Sinon, c'est minimum 4 Go de RAM. Et puis, indice du bon, de au moins 60 Go pour l'installation. Donc, je vais continuer ici. Je vais appuyer sur suivant et laisser voir si Windows 11 peut se mettre à jour sur cette version de Windows 10 que j'ai présentement sur mon ordinateur. Donc, nous patientons un peu. Nous allons voir que Windows 11 va d'abord, premièrement, refuser de s'installer avec ses restrictions et ses exigences plutôt que le PC actuel n'a pas. Voilà, donc c'est pour juste vous montrer que c'est possible de faire migrer notre Windows 10 sous Windows 11. Cela est possible, donc c'est pour vous montrer un peu, voilà, comment est-ce que vous devez procéder. Donc on patiente un peu pour voir les exigences de Windows 11 à nous proposer. Donc nous patientons juste un peu. Le temps que le système vérifie le matériel de mon ordinateur. Ok, bon, c'est ça. Ni ce PC ne répond pas actuellement à la configuration système requise pour Windows 11. Voici pourquoi. Donc voici les raisons qu'il établit. Il dit le processeur n'est pas pris en charge pour cette version de Windows. Le PC doit prendre en charge TPM 2.0. C'est le TPM 2.0 même qui pose des problèmes sur les anciennes machines. Voilà, donc ici, il a lancé, vous avez vu que rien ne s'est passé. Donc je vais fermer cette page-là. Voilà. Et puis, avant de commencer, même vous devez d'abord aller télécharger Media Tool. Ça, je vais vous montrer. Voilà, Media Creation Tool. Par-dessus Google, voilà, vous tapez télécharger Media Creation Tool.bat. Vous emmenez, c'est un petit fichier, voilà, qui n'est pas lourd, 415 kilooctets. Voilà, ou bien je vais vous mettre, voilà, ainsi le lien. Voilà, ici vous tapez ça directement dans la barre d'adresse et vous validez. Il va vous envoyer directement, voilà, sur l'application pour que vous puissiez télécharger et faire votre propre expérience aussi. Donc je rabats là. Après avoir téléchargé Media Creation Toolbat, nous allons décompresser ici. Je l'ai déjà fait.
Voilà, donc je vais rentrer ici. Ça se présente ainsi. Voilà, donc nous allons rentrer dans Bypass 11 comme ça et lancer Skype TPM check. Donc nous allons faire un double clic là-dessus et puis nous allons simplement patienter. Valide par oui et nous laissons faire. Nous patientons juste un peu le temps que il désactive. Voilà, et juste après ça, on repart dans notre système ici, notre ISO. Allons lancer le setup. Aussi simple que ça. Voilà, donc nous patientons juste un peu. Voilà. Patientons juste un peu pour voir que c'est possible de faire la migration de Windows 10 à Windows 11 sur n'importe quelle machine. Je vous avais fait une première vidéo où on pouvait installer Windows 11 sur un virtual disk et travailler aussi aisément. Mais pour les gens qui n'aiment pas trop le virtuel, voici une autre méthode qui vous permet d'installer Windows 11 directement sur votre machine. Donc on va laisser le temps à l'application de décompresser pour que nous puissions suivre ensemble que c'est possible de migrer de Windows 10 à Windows 11. Donc nous patientons juste un peu et nous allons voir que les informations qui nous auraient amené à la ne seront plus les mêmes. Donc si il y a appuyé suivant, il va encore faire encore la vérification de mon PC. Donc nous patientons un peu pour voir le résultat qui va nous afficher. Patientons juste un instant. Voilà, le temps de la vérification. Voilà, je vous rappelle que premièrement, lorsque j'avais lancé, ce n'est pas passé. Il m'a dit non, qu'il m'a donné les recommandations, tout. Donc, nous n'avons pas pu poursuivre l'installation. Donc, je vais vous dire que cela est possible avec cette simple application ou bien ce script. Voilà, vous téléchargez simplement. Alors, je vous remets encore le lien ici. Voilà. Vous tapez ça https voilà 2./bit.ly/vfedz puis vous validez, il va vous amener sur l'application directement. Vous le téléchargez simplement et puis voilà, vous suivez ce qu'on a fait pour moi. Puis je pense bien que tout ira pour le mieux. Donc vous voyez, après avoir lancé, voici maintenant la nouvelle information qu'il m'affiche. Il m'a mis ici avis et conditions du contrat de licence applicable. Ils étaient en le reste. Voilà. Donc, on va simplement accepter. Ici, premièrement, il n'avait pas poursuivi puisqu'il m'a dit non, que notre PC n'avait pas les recommandations. Blablabla. Bon, on passe à là. Ici, nous acceptons simplement. Et il va nous demander de conserver les fichiers et autres. Tout. Bon, voilà. On fait suivant. Et puis, voilà. Il pense bien que ira pour le mieux et puis vous aurez votre Windows 11 sur votre machine. Donc si c'est, je vous laisse continuer l'installation vous même pour voir que ça marche. Merci et à bientôt.